Il t'a appelé tel que tu es. Alléluia. Il
est là, l'homme de Galilée. Il est là, celui qui n'a pas changé. Celui qui vient à notre secours. Celui qui nous secourit au temps de la détresse. Celui qui nous secourit au temps de la souffrance. Il vient, il est dans sa main. Sur le malade et les malades sont guéris. Il est dans sa main sur le malade et les malades sont guéris. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit seulement un mot. Que veut-il que je fasse? Hey, alléluia. On répond seulement aujourd'hui. Éternel, je fais que tu me guérisses. Guéris-moi, Seigneur. Que veut-il que je fasse? L'Éternel te demande. Te pose cette question aujourd'hui. Que veut-il que Jésus fasse pour toi? Que veut-il que Jésus fait pour toi maintenant? Tu fais quoi pour qu'il te fasse du bien? Alléluia. Oh, alléluia. Jésus-Christ est là. Il est là, Seigneur. Merci, Jésus. Car tu es là, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, Jéhovah Shammah. Alléluia. Il fait poser la question à quelqu'un qui me regarde. Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Que veux-tu que je fasse? Toi qui me suis dans un état de critique à l'hôpital, l'Éternel te pose la question. Que veux-tu que je fasse? Jésus est en train de poser la question à quelqu'un qui n'a pas de travail. Que veux-tu que je fasse? Comment ça va à répondre là où tu es? Même si tu es dans ta chambre, même si tu es dans ta maison, même si tu es là où tu es au salon, réponds seulement, Seigneur, je fais ceci. L'Éternel t'écoute là où tu es. Alléluia. Oh Jésus. L'Éternel est en train de poser encore la question à celui qui cherche les enfants. Que veux-tu que je fasse? Peut-être tu es dans l'humiliation des gens de ce monde. Peut-être le monde commence à te regarder bizarrement. Mais l'Éternel vient te poser une question. Que veux-tu que je fasse? Oh, Rabasséti, réponds-lui maintenant. Là où tu es en secret, dis Père. S'il faut t'agenouiller là où tu es, agenouille-toi. Dis Seigneur, je veux une chose. Mon père est malade. Ma mère est malade. Mon frère est dans l'hôpital. Mais tu en as les guéris, Seigneur. Mais tout puissant guérit, papa. Celui qui guérit le maladie incurable, c'est toi l'éternel Dieu des armées. C'est toi l'omnipotent Yahweh. C'est toi l'incomparable Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Oh, règne mon sauveur. On avait été béni, Seigneur. On avait été béni.
élevé. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci car ta présence nous fait du bien. Emmanuel, Dieu parmi nous, sois élevé. Dieu merveilleux. Amen. Nous allons prier pour la parole. Laisse que l'Éternel, Seigneur, commence à prier pour la parole. Père très saint, Père de gloire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, j'abandonne ce moment de la parole en toutes saintes mains. Papa, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, comme tu as parlé aux enfants d'Israël. Pendant que Moïse était là, Seigneur, il ne savait pas quoi dire. Oh, l'Israël était là, en train de se lamenter. Oh, Moïse est monté sur la montagne pour avoir les signes de l'Éternel. Papa, parle-nous, Seigneur Jésus. À travers ta parole d'aujourd'hui, Seigneur, que ton peuple soit édifié, Seigneur. Que ton peuple soit édifié, Seigneur, Papa. Sois élevé, toi qui règnes à jamais. Toi qui règnes à jamais. Sois élevé, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Parle, mon Seigneur. Merci pour ta parole de ce soir, Seigneur. Papa, au nom de Jésus, que cela apporte la guérison. Que cela apporte, Seigneur, Yahweh, le réveil spirituel. Que cela, Seigneur, apporte encore la bénédiction de nos âmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame. Acclame pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclame pour Jésus. Acclame, acclame très fort. L'Éternel est bon, il est merveilleux. Notre Papa est bon, il est merveilleux. Lui qui nous appelle encore dans sa présence. Merci parce qu'il est là. David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est dans la maison de l'Éternel, dans sa présence, que l'Éternel verse sa gloire. C'est dans sa présence que l'Éternel nous donne la victoire. Que c'est dans sa présence que l'Éternel nous donne, nous bénit. Merci Jésus. Oh, il est bon, il est merveilleux. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Merci. Merci. Pour l'œuvre de Dieu que tu fais. La Bible nous dit ceci, moi dans ta maison, et l'Éternel est chez toi. Il est en train de te garder, protéger tous tes biens. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Nous allons ouvrir vite la Bible dans le livre de Juges. Alléluia. Juge, chapitre 14. Nous sommes dans Juge 14. Juge 14. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Juge 14? Thank you.
Aujourd'hui, je me mets à la place de cet homme.
Nous sommes dans ce monde ici des routines. Nous mangeons, nous vivons. Il y a ceux qui ne sont pas à cause de la maladie. Il y a ceux qui ne sont pas à cause de leur souffrance. Les comptes te diraient. Même si aujourd'hui tu te dis que j'ai 80 ans, j'ai 90 ans. Mais rappelle-toi d'où tu viens. Ce n'est pas si loin que ça. Il n'y a pas longtemps, tu avais 6 ans. Bon, aujourd'hui, tu te regardes maintenant dans le miroir. Tu vois les rides qui sont sur ton visage. Aujourd'hui, tu n'as plus la force que tu avais avant. Mais tu cours. Peace.
Seigneur, sa présence nous fait du bien. Sa présence nous fait du bien et nous change. La présence de Jésus-Christ nous change. Si tu n'es pas transformé devant sa présence, laisse-moi te dire que tu ne changeras plus jamais. Parce qu'il est la lumière. La Bible nous dit qu'il est la lumière qui éclaire dans le ténèbre. Quand la lumière approche, les ténèbres reculent. Quand la lumière approche, les ténèbres reculent. Quand le soleil s'élève, la nuit disparaît. C'est comme ça aussi que ça se passe devant notre Seigneur Jésus. Plus tu t'approches de lui, plus la lumière, les ténèbres reculent. Plus tu t'approches de Jésus, plus les ténèbres reculent dans ta vie. Toutes les petites choses là, si ça demeure encore, c'est parce que tu n'as pas encore approché bien avec ton cœur devant Jésus. Regarde-toi. Il y a peut-être un mois, si tu es toujours la même personne, regarde-toi, il y a trois mois passés, six mois passés, et tu es toujours la même personne. C'est lui qui se dispute, même pour rien, qui se fâche même pour rien. C'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus, mais ce n'est pas encore trop tard. Approche-toi devant son trône de grâce. Dis, Seigneur, change-moi, Seigneur. Que ta puissance, comme on venait de chanter, touche mon cœur, mon âme et mon esprit. Que ta puissance touche mon cœur, mon âme et mon esprit, Seigneur. Touche-moi, Seigneur Jésus. Change-moi, Papa. Cherche à être changé, transformé par l'Éternel. La Bible nous dit, quand j'étais petit, je parlais comme un bébé. Mais quand je suis grandi, je mangeais comme un bébé quand j'étais petit. La nourriture liquide. Mais quand je suis grandi, quand j'ai grandi, je mange la nourriture solide. Quel est cet homme qui reste toujours? Il ne fait pas grandir, même dans la prière, même dans la méditation. Chez nous, on appelle les enfants comme ça qui ne grandissent pas, les bissimi. Et qui simi, c'est celui qui ne grandit pas. On dit aussi qu'il y a des bissimi spirituels. Il ne peut pas se mettre seul pendant une heure du temps pour t'adorer, taper le main, seul dans sa chambre. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas arriver peut-être à lire la Bible pendant deux heures du temps avec un stylo. Il ne peut pas écrire la parole qu'il est en train d'écrire. Les disciples spirituels, nous devons changer. Et Dieu n'aime pas des choses comme ça. Dieu aime quelqu'un qui le dit dans sa parole. Je veux que vous prospérez en tous égards, qu'on prospère l'état de votre âme. Ton âme doit grandir. Ton âme doit prospérer en grandissant. Alléluia. Nous allons lire la Bible dans le livre de Juges, chapitre 14, du premier verset jusqu'au 13e verset.
C'est trop long, mais nous allons quand même essayer de lire. À la maison, tu vas quand même essayer encore de relire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fit remonter, il déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-les maintenant pour ma femme. Prenez-la maintenant pour ma femme. Le verset 3. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple? Et qui dit, aille prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Et c'est dans là que le Philistin dominait sur l'Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Et l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchira un champ. Chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Le verset 7. Il descendit et parla à la femme et il lui plut. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre et se détournant pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un nécime d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route et qu'il vit arriver près de son père et de sa mère. Il leur donna et ils mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le verset 10. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on les vit, on invita 30 compagnons qui se tuent avec lui. Et Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous m'expliquez pendant 7 jours du festin et que vous les découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ça sera pour vous que vous me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Il lui dit, proposez ton énigme. Et ils écouteront. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de l'histoire de Samson. La Bible nous dit que Samson, c'était un garçon qui était né. C'était un fils qui était né, que son père qui grandissait, que l'Éternel avait béni. Et l'Éternel, parce que la mère de Samson ne pouvait pas concevoir. Ne pouvait pas concevoir pendant longtemps. Mais il s'est arrivé que l'Éternel les a fait grâce. Ils ont eu Samson. Il avait seulement un fils. Il faut faire attention parce que dans notre vie, si Dieu vous donne seulement un fils, il faut beaucoup prier pour ce fils-là. Il faut beaucoup prier pour cet enfant-là. Parce qu'il arrive des fois où les combats arrivent. Parce que l'habitude, je ne dis pas que c'est pour tous les fils,
Mais il y a des fils comme ça que Dieu donne. C'est pour sa mission. C'est pour sa gloire. Pour que le monde, que l'Éternel se manifeste à cet enfant. Rappelez-vous de l'histoire de Moïse. Rappelez-vous de l'histoire de Anne qui a gris sans miel. Rappelez-vous de beaucoup d'histoires dans la Bible. La Bible nous dit ceci ici, que les parents de Samson avaient eu Samson. Si vous allez dans le verset 13, Juges chapitre 13, verset 24, la Bible nous dit, la femme enfanta un fils et il lui donna le nom de Samson. La femme grandit et l'Éternel le bénit. Donc, Samson grandissait et l'Éternel avait béni Samson. L'Éternel a béni Samson, mais il a donné des instructions à sa maman en disant ceci: tu ne peux pas couper le chevet de cet enfant. La rasoir ne peut pas passer sur sa tête. Parce que le cheveu de Samson était sacré. C'était la force de Samson venait de ses cheveux. La Bible nous dit ceci. Aujourd'hui, ce n'est pas notre enseignement, mais je voulais seulement épingler quelque chose sur la vie de Samson. Et Samson a grandi avec sa chevelure qui était longue. La Bible nous dit qu'il avait une longue chevelure. Et l'Éternel bénit Samson. Il lui donna la force. Une force physique. La Bible nous dit, dans le verset 14 que nous venons de lire, que Samson grandissait. Il était arrivé dans l'âge où il pouvait aussi avoir une femme. Mais il alla proposer, il avait vu une femme qui lui avait plu. Et il a dit à sa maman et à son père, à sa mère, voilà, j'ai choisi une femme de la famille des Philistins. Or, les Philistins, c'était un peuple qui combattait l'Israël. Les Philistins combattaient les enfants d'Israël. Les Philistins étaient les ennemis de l'Israël. Amen. Mais Samson est parti choisir la femme dans cet pays-là. Parmi ce peuple-là qui combattait chaque fois l'Israël. Écoute-moi ceci. Si Dieu te bénit, il peut t'amener plus loin. Quand Dieu bénit quelqu'un, il n'y aura pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu peux même régner là où il y a des ennemis. Amen. Tu peux régner là où il y a des ennemis. Amen. Là où les gens voient qu'il n'y a rien qui peut sortir de là. Mais l'Éternel peut te faire sortir de là. Là où les gens peuvent dire que de là il n'y aura rien dans sa vie. Il est sorti d'une famille misérable. Il est sorti d'une famille pauvre. Mais Dieu peut te prendre dans cette famille pauvre, te faire riche. Parce que rien n'est comparable à notre Seigneur Jésus. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui peut changer la vie d'une personne d'un clin d'œil. Toi qui pleures tous les jours, ne pleure pas parce que l'Éternel ne peut changer ta vie. La Bible nous dit ceci. Samson grandissait et il a choisi cette femme dans les tribus des Philistins. Mais son père et sa mère n'étaient pas contents. Ils ont dit, mais comment toi tu n'as pas regardé? Il y a quand même des filles dans notre tribu. Mais tu es parti seulement choisir une femme qui est circoncis. Les pères et la mère de Samson, peut-être ils avaient raison, mais ils ont vu, ils ont jugé l'apparence.
Mais l'Éternel ne garde pas l'apparence. L'Éternel regarde le cœur. Dieu voit plus loin parce que c'est lui qui a créé toutes choses. La Bible nous dit ceci, que l'Éternel, la mère de Samson dira, mais comment tu peux avoir aller choisir une fille de Philistins comme femme et la prendre, tu veux la prendre comme femme. Et dans le verset 14, la Bible nous dit, dans le verset 4, la Bible nous dit ceci, que c'était Samson ne marchait pas selon lui, mais c'était l'Esprit de l'Éternel qui était en Samson. C'est pour ça que nous devons désirer l'Esprit de Dieu. Nous devons désirer le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons désirer de marcher, non pas selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu. La Bible nous dit ceci, que c'était la volonté de Dieu que Samson choisisse une femme dans les tribus de Philistins. Et quelques temps après, Samson allait rendre visite à ses parents. Arrivé en cours de route, il trouva qu'il y avait un jeune lion. La Bible nous parle d'un jeune lion qui s'est jeté vers Samson. Il voulait lui faire du mal. Mais Samson prenant cet jeune lion. La Bible nous dit ceci, que Samson prenant ce jeune lion qui s'est rougi vers Samson à la rencontre de Samson. Et l'Esprit de l'Éternel s'est saisi de Samson. Et Samson a pris ce jeune lion et le déchira avec ses mains. Samson déchira ce jeune lion avec ses mains. Quelle force! Avant de déchirer cet lion, la Bible nous précise que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson pour agir, pour prier, pour gêner, désire d'abord l'Esprit de Dieu. Pose-toi des questions. Est-ce que tout ce que je fais, je le fais par l'Esprit de Dieu ou pas? La Bible nous dit ceci dans le verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Et l'Esprit, dans le verset 6, la Bible nous dit ceci, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et l'avoir rien à la main. Sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire et chevron. Et il dit au point de père et de sa mère ce qu'il avait fait. Samson n'a pas dit ça à son père et à sa mère. Il a déchiré pendant qu'il allait. Il a rencontré un jeune lion qui s'est rougi vers Samson. Mais Samson l'a pris, il l'a déchiré avec ses propres mains. Pourquoi? Quelle force? Par quelle force que Samson a déchiré ce lion? Par la force de l'Esprit de l'Éternel. Par la force du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons désirer le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu peut te donner même la force physique, la force spirituelle. La force spirituelle vient du Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit qu'il était saisi par le Saint-Esprit de Dieu et il déchira ses lions. Et arrivé là où il était son père et sa mère, il n'a pas dit à son père et sa mère. Il y a d'autres choses dans nos vies que Dieu veut faire dans ta vie, que Dieu a fait dans ta vie, que tu ne peux pas dire à tout le monde. Pourquoi tu échoues? Pourquoi tu échoues dans tes entreprises, mon frère? Pourquoi tu échoues dans tes entreprises, ma soeur?
C'est parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, à chaque fois que Dieu te bénit, tu ouvres ta bouche pour dire ça à tout le monde. Garde un peu secret. Dieu t'a béni. Il t'a donné quelque chose. Il t'a béni avec beaucoup d'argent. Il t'a béni avec un travail. Mais garde d'abord silence. Tu n'as même pas encore signé le contrat. Mais tu as commencé déjà à rencontrer tout le monde que j'ai un travail. Mais le diable va te combattre jusqu'à tel point que tu n'auras même pas ce contrat-là. Et ton combat sera encore difficile. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Même à ton père et ta mère. Samson n'a pas dit ça. Laisse-moi te choquer aujourd'hui. Il y a des choses aussi que tu ne peux pas dire à ton père et ta mère. Que tu ne peux pas dire à ta famille. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous dit que quand Samson a déchiré les lions, il n'a pas dit ça même à son père. Il n'a pas dit ça à sa mère. C'est la Bible qui nous le dit. Si vous voulez encore, on peut encore relire. Les versets 5. Juges chapitre 14, verset 5. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Là, c'est le verset 5. Écoute maintenant le verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Quand tu gardes quelque chose, cela devient une grande bénédiction pour toi. Quand tu gardes quelque chose, cela devient une grande bénédiction pour toi. La discrétion. Peuple de Dieu, la discrétion. Nous devons avoir la discrétion. Dès que tu fais quelque chose, tu es là à l'internet en train de le publier. Tu peux publier la parole de Dieu. Tu peux publier la prédication. Mais attention, ce n'est pas toute ta vie que tu peux publier sur le média. Dès que tu fais une petite fête de chez toi, d'anniversaire, tu le publies. Chaque fois que tu fais quelque chose, tes enfants sont publiés. Ta famille est sur le Facebook. Tout le monde sait que tu as 3 enfants, tu as 4 enfants. À chaque fois, chaque minute, chaque seconde, dès que tu fais une petite fête chez toi, tu le mets sur le Facebook. Tu es en train d'exposer ta vie. La discrétion. Beaucoup reçoivent beaucoup de combats dans leur vie à cause de manque de discrétion. Tu achètes une nouvelle robe. Tu veux seulement publier. Tu es dans les trains, tu quittes par exemple l'Allemagne pour aller en France. Que les gens sachent seulement qui était dans les trains. Tu publies ça. La discrétion. Ton fils résiste à l'école. Avec 80%, 90%. Tu prends son bulletin, tu le mets. Tu prends le résultat de ton fils. Fuite sur le média. C'est comme si tu as un problème. Mon frère, tu as un problème. Ma sœur, tu as un problème. Une petite fête du rien de tout, tu l'as déjà publié. La discrétion. Ton combat, on va te combattre. La Bible nous dit ceci. La bénédiction doit être cachée. Une grande bénédiction doit être cachée. Alléluia. Amen. Une grande bénédiction doit être cachée.
cacher. Là où Dieu te bénit, cache ta bénédiction jalousement. Cache tes enfants jalousement. Les enfants, c'est une bénédiction venant de Dieu. Cache tes enfants dans les sangs de Jésus-Christ. Ne les expose pas. Cache ta vie. Cache ta vie. Cache ta femme. Cache tes enfants. Dès que tu achètes de nouveaux habits, directement tu es là, tu te prends des photos pour publier ça. Il y a un problème. Dis-toi que tu as un problème. Là où tu es, répète après moi, tu as un problème. Tu ne peux pas exposer ta vie à tout le temps, à tout le monde. Sache-le bien qu'il y a des gens, des milliers, des milliers, des milliers de gens qui te regardent. Qui regardent même les enfants. Ils vont te combattre, ils vont combattre les pauvres enfants. À cause de ta manque de discrétion. Ton enfant est à gagner dans une compétition directement. Tu les jettes sur le Facebook. Maintenant, ta vie est exposée comme ça sur le Facebook. Qui te dit que tout le monde t'aime? Qui te dit que tout le monde t'aime? Mon frère, mon sœur, tu as aussi des ennemis. N'expose pas ta vie devant tes ennemis. La Bible nous dit que Samson n'a pas dit ça à son père ni à sa mère. Parce que Samson savait tout simplement. Il savait déjà que quand il a choisi cette femme philistine, son père et sa mère lui a dit, mais pourquoi? Samson sentait en lui que c'était la volonté de Dieu. Mais son père ne pouvait pas sentir ce que Samson sentait. Son père ne pouvait pas discerner ce que Samson avait discerné. Peut-être que ta discernement n'est pas le discernement de l'autre. Garde ta vie. Garde ta vie car la vie est précieuse. La vie est précieuse. La Bible nous dit ceci. Il descendit et parla à la femme et lui plut. Quelques temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour prendre. Et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. La Bible nous dit que Samson s'est retourné encore à Timna et trouva dans ce chemin qui passait, là où il avait déjà déchiré ce lion, à son retour. Il est retourné encore sur cette route. Je crois qu'il a senti peut-être que quelque chose lui dira, regarde là où tu avais tué, tu as jeté les lions que tu as déchirés. Et Samson regarda, il voit ces lions sur ces lions, il est signe des abeilles. Et la Bible nous dit plus loin, Samson alla et prena le miel. Il prena les miel et sème des abeilles et sème des abeilles, ça veut dire là où le miel, dans la maison des abeilles, là où il y a du miel, là où ils produisent des miel. Mais ce miel, cette maison-là des abeilles, les sème, c'est ce produit sur les cadavres des lions que Samson avait tués. Et Samson prena ce miel, il la mangea, apporta aussi à ses parents. Il donna aussi à son père et à sa mère. Il a fait tout son chemin avec le miel là qu'il mangeait. Et le miel était très bon. La Bible nous dit dans le verset 9, il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et sa mère, il leur donna et ils la mangèrent. Mais il ne leur mangea pas. Lui avait pris ce miel dans le corps du lion. Mais il ne leur dit pas
La Bible nous dit qu'il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans les corps du lion. Donc Samson continue toujours à garder le secret. Il a tué le lion. À son retour, il a trouvé encore que dans ce cadavre des lions, il s'est arrivé qu'il y avait des signes des abeilles. Et les abeilles ont produit du miel. Il a pris encore ce miel. Il l'a amené encore vers ses parents. Et il a mangé ce miel. Donc quelque chose de dangereux. Laisse-moi te dire que là où il y a ton danger, c'est là où aussi il y a ta bénédiction. Amen. Là où il y a tes ennemis, c'est là où il y a aussi ta bénédiction. Amen. Ne désire plus que tes ennemis meurent. Laisse qu'ils soient en vie, qu'ils voient ce que Dieu va faire avec toi. Alléluia. Amen. Ne désire pas la mort de tes ennemis, mais désire qu'ils restent en vie jusqu'à ce qu'ils verront ce que l'Éternel va faire. Peut-être qu'ils sont en train de croire que l'Éternel va t'abandonner. Ils sont en train de voir que tu seras terrassé par peur. Mais peut-être tu vas te fatiguer. Ils se disent en eux-mêmes qu'elle va se fatiguer. Il va se fatiguer. Laisse-moi te dire que l'Éternel aujourd'hui te donne la force de Samson. Là où il y avait les dangers, c'est là où Dieu va, ta bénédiction se trouve. Alléluia. Mais garde seulement ta bouche. Garde secret, soit dans la distraction, dans la discrétion, la discrétion. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Tu veux rencontrer tout à tout le monde. Si Samson avait dit que j'ai tué un lion, ses parents allaient dire, allons-y, on va aller voir, c'est le lion que tu as tué. Il allait trouver maintenant du miel là et tout ce qu'il avait, il allait découvrir. Mais Samson n'a rien dit. Il a pris le miel qui était sur le cadavre du lion. Il a commencé à manger. Il a apporté même à ses parents. Il a donné aussi ce miel à ses parents. Et ses parents ont mangé du miel. Mais ses parents ne savaient pas d'où venait ce miel. Ses parents ne savaient pas d'où venait ce miel. La bénédiction. Garde la bénédiction de tes enfants. Sois discret. Garde ta bénédiction. Sois discret. Ne rencontre pas tout le monde. Que tu as réussi, Dieu réussit dans la vie. Que tu as acheté une belle voiture. Que tu as acheté de beaux habits. Non. Garde ta bénédiction, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit ceci. Mais il ne lui dit pas qu'il avait pris ses biens dans le corps du lion. Les versets 10 nous disent ceci. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Parce que Samson était parti pour prendre sa femme. La femme qui était la femme philistine. Alléluia. Il a pris sa femme. Ils ont fait un festin. Ils ont fêté. C'était la fête. Ils ont invité des gens qui étaient là. Mais pendant la fête, écoute-moi ceci. Après avoir pris le miel, après avoir mangé, donné aussi à ses parents, Samson n'a rien dit, il a gardé. Regarde la sagesse. Publier des choses, ta vie sur le Facebook, c'est manque de sagesse. Dis-toi que tu manques la sagesse. Ça, c'est le manque de sagesse, excusez-moi. Je ne suis pas en train de déqualifier ou bien d'insulter les gens, non. Écoute là où maintenant Samson va. Dans le verset 12, la Bible nous dit ceci. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Alléluia. Amen. Mais là, pendant les festins, pendant qu'ils étaient là en train de fêter, de danser, de manger, de boire,
efface. Maintenant, Samson vient. Et Samson commence à leur dire, je vais vous proposer une énigme. Et Samson leur dit, si vous m'expliquez pendant les sept jours de festin, parce qu'ils avaient fait sept jours de festin, ils fêtaient pendant sept jours de festin. Alléluia. Amen. Je croyais qu'il y avait la boisson, il y avait à manger à gogo, il y avait beaucoup de choses, il y avait la... tout était là pendant sept jours. Mais Samson leur dira que je vais vous proposer une énigme. Pendant sept jours, cherchez-moi la réponse, le discernement de cette énigme. Alléluia. Dans notre langue, on dit l'ICC. Merci, Papa Maurice. L'ICC. Il dit, si vous m'expliquez pendant sept jours les festins, et si vous les découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de réchange. Donc Samson les propose en disant, si vous m'expliquez cette énigme, je vais vous donner 30 vêtements, des 30 chemises, 30. Mais si vous ne pouvez pas m'expliquer le verset 13, ça sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de réchange. Parce que vous voyez maintenant pourquoi Samson n'a pas dit ce qui s'est passé à ses parents. Alléluia. Amen. Tu dois garder secret, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu fait avec toi, garde-les pour toi. Ce que Dieu fait pour tes enfants, garde-les pour toi. Ce que Dieu fait pour ta femme, garde-les pour toi. Ce que Dieu fait pour ton mari, garde-les pour toi. Ne les dis même pas à ton père ni à ta mère. Parce que la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Samson n'a même pas dit ça à sa femme. Il y a d'autres secrets que Dieu te révèle, que tu ne peux même pas dire à ton mari ni à ta femme, parce que c'est Dieu qui te les dit. Alléluia. Dieu peut te dire de ne pas les dire. Samson, vous allez lire l'histoire de Samson. À la longue, Samson sera humilié. Pourquoi? Parce qu'il avait dévoilé son secret de sa chevelure. Dieu te donne une onction et Dieu te dit, cette onction vient de ceci. Ne le dis à personne, ne le dis à personne. Quand Dieu te dit de ne le dire à personne, ne le dis pas, ne le dis à personne. La bénédiction que Dieu t'a donnée, ne le dis à personne, ne le dis à personne. Alléluia. Les travaux que Dieu t'a donné, les salaires que Dieu t'a donné, ne le dis à personne, ne le dis à personne. Tu perds d'avoir beaucoup de combats dans ta vie. La Bible nous dit ceci, que Samson, pendant les festins de sa femme, pendant qu'il était là, la famille de Samson, les Philistins étaient là, tout le monde était là. Et ils sortent maintenant cette énigme en disant, c'est lui qui peut m'expliquer cette énigme. Je lui donnerai 30 chemises et 30 habits d'échange. Donc ça veut dire 60. Écoute maintenant, l'énigme se trouve où? Dans 14:14. Juges 14, verset 14. La Bible nous dit ceci. Et il est dit, de celui qui se mange, et sortit ce qui se mange. Et du fort est sorti les doux. Pendant que trois jours, il ne put expliquer. L'énigme de Samson était comme ça.
celui qui se mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. De celui qui mange est sorti. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Alléluia. Alléluia. On peut dire ceci. Oya liaga. Nakati na ebimi. Oyo mouta koli koliya. Alléluia. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Hey. Alléluia, peuple de Dieu. Samson a sorti maintenant son énigme, il l'a pas caché. Mais il voulait une explication claire. Et il a proposé 30 chemises et 30 habits d'échange, vêtements d'échange. Il a dit ceci. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Donc il voulait parler de quoi? Il voulait parler des lions qu'il a déchiré. Parce que quand les lions rencontrent quelqu'un, il fait quoi? Ah! Maintenant il dit, celui qui mange, dont les lions qui mangent, est sorti ce qui se mange. Donc est sorti du miel que Samson a mangé, qu'il a donné à son père aussi à sa mère. Pourquoi? Parce qu'à cause du Saint-Esprit, à cause de la force de Dieu, à cause de la présence de Dieu dans l'homme, hein, Dieu peut faire et l'homme devient fort. Et Dieu peut changer la vie de l'homme, de celui, de ce qui se mange, de ce qui mange, sort de ce qui se mange. Alléluia. Amen. Donc de l'ennemi qui te détruit, tu peux aussi le détruire et prendre la bénédiction qui est en lui. Mais à condition que tu gardes, que tu sois discret, que tu sois, qu'il ait quand même la discrétion dans ta vie. À condition que tu aies la sagesse de la parole, la sagesse de Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu es en train de publier, à chaque fois que tu es en train d'exposer ta vie aux gens, laisse-moi te dire, il ne sortira pas ce qui se mange en toi. Alléluia. Parce que nous bénéficions que ce que les hommes aussi nous donnent. Un homme reçoit de Dieu. Mais Dieu utilise seulement l'homme, hein, pour bénir l'homme. N'est-ce pas, peuple de Dieu? L'Éternel utilise seulement l'homme pour bénir l'homme. Donc ça veut dire, hein, dans la vie de tes ennemis, il y a une certaine bénédiction qui est là, qui se cache. Pour avoir cette bénédiction, il faut déchirer, comme Samson l'a fait. Mais tu peux déchirer comment? Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, si tu n'as pas la vie de prière en toi, si tu n'as pas la vie de méditation en toi, si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne marches pas, tu ne cherches pas à marcher avec l'Éternel, comment en toi tu peux vaincre tes ennemis pour avoir arraché maintenant ta bénédiction? Comme Samson a dit, il a dit son énigme à de celui qui se mange et sorti ce qui se mange. De celui qui mange et sorti ce qui se mange. Alléluia. Là où tu es en train de pleurer, ne pleure pas. Là où tu es en train de gémir, que ne gémisse pas. Là où tu es en train de t'inquiéter, ne t'inquiète pas. Cache ta vie dans les sons de Jésus-Christ. Cache ta vie entre le nom de Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur, lui qui est notre Rédempteur, lui qui est notre Rémunérateur. Il n'y a que lui, en lui et pour lui. Que nous pouvons
y aller. Garde ta vie. Garde la vie de tes enfants. Garde l'espoir de tes enfants. Ils sont des génies à l'école. Ils sont très intelligents à l'école. Mais n'expose pas leur vie. Samson a gardé. Écoute ce que Miché nous dit. Nous allons lire dans le livre de Miché. Miché 7, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Miché? Miché 7, verset 5. Peuple de Dieu, soyons très intelligents et très sages. C'est cette terre. Miché 7, Miché chapitre 7, verset 5, la Bible nous dit ceci. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime devant celui qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche. Garde les portes de ta bouche. Même ton ami qui te dit que c'est mon ami intime. Dans le livre de Miché, chapitre 5, verset 5, la Bible nous dit, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Tu dis, c'est mon intime, je vais lui raconter ma vie. Écoute-moi, il n'y a pas l'intime dans ce monde. Il n'y a pas un ami. L'ami fidèle, c'est Jésus-Christ. L'ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Amen. Qui garde nos secrets. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous connaît. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous garde nos secrets. Amen. La Bible nous dit, devant celle qui repose sur ton sein. Qui repose sur ton sein. Oh, garde le porte de ta bouche. Garde le porte de ta bouche. La Bible nous dit que la bouche qui parle beaucoup, c'est la bouche qui pêche plus. Alléluia. Tu veux faire quelque chose avec un ami? Tu veux ouvrir une entreprise? Tu es allé dire ça peut-être à un autre ami. Si Samson avait dit, son énigme, déjà il avait dit que mon père, j'ai tué un lion à son père et à sa mère. Il n'allait pas avoir dire cette énigme devant les Philistins. La Bible nous dit que Samson avait gagné. On lui avait remis celui qui avait gagné. Ils n'ont pas pompé. Ils n'ont pas pu discerner l'énigme de Samson. Mais si Samson avait déjà dit ça à son père allait maintenant aller chuchoter dans l'oreille de son ami ou de sa mère. Si Samson avait dit ça à sa mère allait chuchoter à son ami intime. Parce qu'on a toujours des gens qu'on dise que soi-disant de nos amis intimes, mais qu'à celui-là on parle avec elle, et elle aussi, elle a encore un autre ami intime, et cet ami intime a encore un autre ami intime, et cet ami, c'est comme ça que les choses s'en vont. Et tu dis que non, moi j'ai mes choses, je ne dis à personne, j'ai qu'une seule personne. Oh, la seule personne qui t'appelle, que c'est elle, mon ami intime, c'est elle qui est en train de propager peut-être ta bénédiction. C'est elle qui est en train de propager tes secrets. Tous les secrets que tu lui dis, mais elle rapporte ça aux autres. Et tu te demandes en plus, mais c'est elle que j'avais dit. C'est Annie, j'avais dit seulement à Annie. Comment tout le monde sait maintenant qu'il y a ceci. Les vrais amis intimes, laisse-moi te dire aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peuple de Dieu, soyons sages. Tu veux ouvrir une entreprise? Garde silence. Mais tu as déjà commencé à rencontrer aux gens. Regarde, je vais faire ceci, je vais faire. Mais pendant que tu le dis là, peut-être la personne qui est devant toi ne t'aime pas. Peut-être un ami n'est pas d'accord avec toi. Il est en train de voir ton élévation. Mais il, c'est la seule personne qui va d'abord commencer à te combattre. Tu es en train de construire au pays. Tu es en train de faire de grandes choses. Tu as acheté une parcelle au pays. Tu as déjà dit à ton ami intime. Et cet ami intime, peut-être c'est lui qui est ton ennemi.
Habiter ce que nous appelons des amis intimes, ce sont nos ennemis, nos premiers ennemis. Garde ta bouche comme la Bible nous dit dans Michée chapitre 7, verset 5. Garde les portes de ta bouche. Garde les portes de ta bouche. Ne sois pas quelqu'un qui va raconter tout. Dans le même Michée 7, verset 3, la Bible nous dit ceci. Les mains sont habitées à faire le mal. Les princes et des exigences. Les juges réclament un salaire. Et les grands manifestent son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Donc ils se ressemblent pour te faire la guerre. C'est pour cela que tu te dis, mais quand je vais faire quelque chose, on t'a promis un voyage pour aller en Europe. Mais tu as déjà commencé à dire ça aux gens. Au soi-disant mon ami intime, soi-disant mes parents, soi-disant ceci, soi-disant cela. Laisse-moi te dire, la Bible nous dit, les gens auront l'ennemi, les gens de sa propre famille. D'abord, qui combat ta vie? Les premières personnes qui combattent ta vie, c'est la famille. Tu veux faire quelque chose de bien, mais déjà, tu as déjà alerté tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir de ta bénédiction. Ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir de ta bénédiction, mon frère. Garde ta bouche, la porte de ta bouche. Garde-le, sois discret. Tu as choisi une femme qui veut te marier. Va d'abord loin, cherche d'abord la dot que tu mets de côté. Cherche ce que tu mets de côté. Cherche ce que tu mets de côté. Les cyber, les, tout ce qu'on a demandé pour la dot, tu le mets d'abord de côté. Et tu es toujours avec ta femme. Et quand tu vois que je suis presque prêt d'aller doter ma femme, là tu, maintenant tu le dis à ta famille. Tu es combattu à tous les mariages que tu as déjà essayé. Car peut-être aujourd'hui tu te dis, mais c'est pas possible. À chaque homme que je rencontre, cet homme me laisse toujours, m'abandonne toujours. Mais te laisse toujours. Mais c'est parce que tu ne gardes pas secret. Dès que tu trouves un bon homme, un homme beau, que tu, qui veut te marier, tu as déjà allé chez ton ami intime que tu appelles. Mon ami intime, tu lui as déjà dit, et elle aussi, et jusqu'à ce qu'ils ont allé trouver cet homme-là, pour lui dire, tu vois, cette femme-là, ne la marie pas parce qu'elle est comme ça, elle est comme ça. Or, tu n'es pas comme ça. La jalousie, pourquoi? C'est parce que tu n'as pas gardé, tu n'as pas fermé la porte de ta bouche. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas fermé la porte de ta bouche. Tu n'as pas fermé la porte de ta bouche. Le mari qui devait venir, qui s'est déjà décidé pour venir te marier, et s'est décidé, et s'est dit, bon, je ne veux plus aller parce que son ami intime m'a dit que c'est une prostituée. Or, tu n'es pas prostituée. C'est une voleuse. Or, tu n'es pas voleuse. C'est une sorcière. Or, tu n'es pas sorcière. À cause de la jalousie, le monde est détruit à cause de la jalousie. La vie des gens, des vies sont détruites à cause de la jalousie. À cause de manque aussi de discrétion. Tu exposes la vie, ta vie. Tu exposes la vie de tes enfants. Tu exposes ta vie, ton travail, ta famille, tes enfants, ta famille. Alléluia. À cause de cela, l'ennemi entre maintenant. Il voit comment il peut te combattre. Laisse-moi te dire, pour combattre un homme fort, il faut d'abord aller entrer dans sa maison, les connaître d'abord. Connaître cet homme fort pour le combattre. Et connaître aussi ses armes qu'il utilise. Avant d'affronter un homme fort, il faut d'abord connaître les armes que cet homme fort utilise. Toi qui es là en train d'ouvrir les portes à tout le monde,
tu veux exposer ta vie, s'il te plaît, je te demande pardon et mille pardons. Cache ta vie. Le Facebook n'est pas un lieu d'exposer ta vie. Le Facebook n'est pas un lieu d'exposer ta vie. Tout le monde connaît que tu n'es pas marié. Tout le monde connaît qu'il n'est pas d'enfant. Pourquoi à chaque fois tu exposes ta vie? Un petit fiancé que tu viens de faire, tu es tellement sur Facebook. Et tout le monde se dit, oh non, c'est cette fille-là qui va se marier. Même tes anciens copains. Maintenant, ils vont te combattre, ils vont aller chercher ton mari. C'est quel homme qui veut marier celui-là? On va les gâcher ces mariages-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de célibataires. Il y a beaucoup de célibataires. Pourquoi? Parce que nous ne gardons pas notre bouche. Parce que nous ne formons pas notre bouche, la porte de notre bouche. Nous voulons exposer tout, parler de tout, de notre vie. Et les exposer sur Facebook. Garde ta vie. Garde ta vie. Il y avait des gens que Jésus-Christ guérissait dans la Bible. À l'air disant, va, mais ne parle à personne. Ne parle à personne. Va, ne dis à personne. Il y a d'autres choses dans ta vie que tu peux garder discrètement. Jusqu'à ce que ta bénédiction va exploser. Ton père qui est malade, tu as déjà exposé, tu es allé voir les oncles, les tantes. Écoute, papa est malade, il est maintenant dans l'hôpital. Maintenant, même les sorciers qui étaient là, excusez-moi les termes, qui avaient lancé un mauvais sort à ton père. Il va encore faire de son mieux pour encore l'enfoncer, le tuer. Dès que tu as un mal de tête, tu as un mal de ventre, tu commences déjà à publier. Tu es hospitalisé à l'hôpital, garde ça. Mais tu as déjà, même le fauteuil, là où tu es à l'hôpital, tu l'as déjà publié. Il y avait une dame que j'ai rencontrée ces derniers temps qui m'a dit, Nelly, on m'a demandé d'aller témoigner. Je lui ai dit, écoute, il y a d'autres témoignages qu'on ne peut pas témoigner. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Soyons intelligents et soyons sages. Alléluia. Les guerres de l'homme, les mauvais. Les guerres de l'homme. Tu crois que tout le monde t'aime. Tu te trompes, mon frère. Tu te trompes, ma soeur. Tu crois que tout le monde aime tout ce que tu fais et tout ce que tu as. Tu te trompes. Il y a beaucoup qui ne t'aiment pas. Il y avait quelqu'un qui me disait, mais écoute, dès que moi j'ai que les gens sont en train de lancer quelque chose sur le Facebook, les photos, moi je commande toujours, soit j'aime des choses comme ça. Mais moi dès que je lance quelque chose, les gens n'aiment même pas de j'aime. Les gens n'aiment pas. Ils ne commandent même pas sur mon page de Facebook, mon profil. Même si c'est mon anniversaire, les gens ne me souhaitent même pas. Oh, moi, je souhaite beaucoup de gens sur le Facebook. Écoute-moi, il m'observe, mon frère. Écoute-moi, c'est pas tout le monde qui t'aime. Celui qui t'aime, il va commenter ce que t'as mis. Celui qui ne commente pas, c'est qu'il n'est pas avec toi. Celui qui est avec toi, il va commenter. Mais celui qui n'est pas avec toi, il ne va pas commenter. Ne te soucie pas de ça. Que Dieu t'aime, cela te suffit. Tant que Jésus t'aime, cela te suffit. Moi, je dis toujours aux gens, tant que Jésus m'aime, cela me suffit. Cela nous suffit. Amen. Amen.
La Bible nous dit dans le Michée chapitre 7, le verset 6 nous dit ceci. Car les fils outragent le père, la fille s'élève contre sa mère. Ah, écoute ce que la Bible nous dit. La belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Ah. Alléluia, peuple de Dieu. La Bible nous dit, ça ne veut pas de moi, c'est ce que je venais de dire ici. Peut-être que les autres sont choqués, ce n'est pas moi. Écoute ce que la Bible nous dit. Car le fils outrage le père, la fille s'élève contre sa mère, la belle fille contre sa belle-mère, et chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Oh Seigneur, à chaque fois peut-être que je vais faire ceci, il y a peut-être mon mari qui s'élève contre moi. Ne t'en fais pas. C'est la Bible, la parole de Dieu qui nous le dit. À chaque fois que je vais le commerce, il y a ma femme qui s'élève contre moi. Il y a ma femme qui s'élève contre mon travail. Il y a mon fils qui s'élève. La Bible nous dit ceci, à chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Les premiers ennemis commencent dans ta maison, il faut faire très attention. Les premiers ennemis, ton ennemi numéro un commence par ta maison, dans ta famille. Si c'est moi, c'est les gens de sa famille, de ta famille, qui ne voudront pas que tu puisses aller de l'avant. Qui ne voudront pas que tu puisses aller de l'avant. Beaucoup vont te coller des dettes. Beaucoup vont te coller des dettes, des choses, afin que tu ne puisses pas prospérer. Ils vont te coller des dettes pour que tu puisses payer tes dettes, que tu restes toujours dans la pauvreté. La Bible nous dit ceci, chacun a pour un ennemi les gens de sa maison. Chacun a pour un ennemi les gens de sa maison. Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta belle-sœur, ta belle-fille peut être ton ennemi. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Faites attention. La Bible nous dit, si tu vois que le bras gauche t'amène à pécher, vaut mieux le couper, rester avec un bras. Ce n'est pas un péché de couper son bras. C'est tout simplement, si tu vois quelqu'un qui veut t'amener vers le péché, éloigne-toi. Alléluia. Tu n'as pas commis un péché si tu t'éloignes de la personne. Si tu t'éloignes de la personne, tu n'as pas commis un péché. Abraham s'est éloigné avec son oncle Lot. Abraham n'a pas commis le péché. Éloigne-toi à toute personne qui veut t'amener dans le péché. Éloigne-toi avec toute personne qui veut t'amener dans le mal. Que tu restes toujours un bébé spirituel. Éloigne-toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, Père, sans part de gloire. Bénis ton peuple, Seigneur, bénis-les. Tous ceux qui ont écouté ta parole, Seigneur, que leur cœur soit touché par le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous. Donne-nous la force physique et la force spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.